Salut à tous et bienvenue sur Gameblog.fr pour une nouvelle vidéo E3 2015. Alors si j'ai le teint un peu bleuté, vous devez vous en douter, c'est parce que je suis sur le stand PlayStation. Qu'est-ce que je viens de voir ? Eh bien je vous le donne en mille, c'est The Last Guardian avec une démo de gameplay réalisée en personne par le créateur du jeu, Fumito Ueda. Alors, pour ce qui est de la zone de gameplay, vous l'avez vu, c'est la même vidéo que pendant la conférence Sony d'hier soir. Alors par contre, je peux vous le dire tout de suite, j'ai été vraiment charmé par cet univers. La coopération entre Trico, donc la créature chien, chat et oiseau, et le jeune héros. Et c'était franchement super, super mignon. En fait, ils ont cherché à faire quelque chose qui est une sorte de mélange entre Ico et Shadow of the Colossus. Ico au niveau de la coopération entre les deux personnages et Shadow of the Colossus vis-à-vis de l'interaction avec des créatures gigantesques. Par exemple, si le jeune garçon, donc le héros, ne peut pas accéder à une zone, il peut demander à Trico de se lever sur ses pattes arrière et de transformer en échelle. Et là, il y a une phase où il peut grimper sur le dos de Trico, un peu à la manière de ce qu'on pouvait faire dans Shadow of the Colossus. Après, il y a différents petits trucs. Par exemple, le garçon peut prendre un baril et le jeter, et Trico peut l'attraper au vol. Et un truc que j'ai noté, et d'ailleurs on nous l'a souligné pendant la présentation, je ne sais pas si vous vous souvenez de la scène pendant la présentation de la conf où le jeune garçon tombe dans le vide et la queue de Trico passe en dessous du pont et il la rattrape au vol et il grimpe. Et bien ça, ce n'est pas de la cinématique, c'est du gameplay en temps réel, c'est interactif, enfin c'est ce qu'on nous a dit en tout cas, et c'est plutôt bien réalisé. Alors pour ce qui est du reste de la réalisation, on sent bien que c'est un jeu qui a commencé sur PS3. Mais malgré tout, il y a de beaux effets de lumière, de beaux effets de particules. Les plumes de Trico bougent bien. Il y a une belle profondeur de champ. On sent vraiment la sensation de hauteur et de vertige. D'ailleurs, c'est quelque chose que sur les développeurs ont insisté. Et ils nous expliquaient d'ailleurs qu'ils ont été visiter des grands buildings et des zones assez hautes pour pouvoir travailler sur cette sensation de vertige. Et d'ailleurs, des moments où vous devez sauter au-dessus du vide, le jeu ralentit et on ne sait pas vraiment si Trico va réussir à vous rattraper ou pas. Et pendant ce passage-là, c'est vrai qu'il y a vraiment une sensation de vertige. Pour le coup, c'est vachement bien fait. Petite frustration, ils n'ont pas pu nous parler de l'histoire. Ça viendra après. Visiblement, là, ils se sont uniquement concentrés sur le gameplay. Ils n'ont pas vraiment voulu nous dire pourquoi le jeu a mis si longtemps à sortir. Apparemment, c'est une question de business et la transition sur PS4 a vraiment ralenti le processus. Enfin, ça, c'est la version officielle. En tout cas, j'ai vraiment hâte de découvrir l'histoire derrière ce gameplay. En tout cas, c'est vraiment prometteur, c'est vraiment envoûtant. Si comme moi, vous avez un faible pour les chiens, forcément vous serez charmé par Trico et le fait de pouvoir faire des câlins après qu'il vous ait aidé, ça c'est gagnant. Moi j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant au sujet de The Last Guardian, pardon, mon cerveau est enfumé. Je vous dis à très bientôt et en attendant de nous retrouver sur une nouvelle vidéo, laissez-moi vos tweets sur @romainmahut avec le hashtag E3Gameblog et j'y répondrai bien évidemment. À très bientôt.